Dans cet exemple, on lance un dé équilibré deux fois de suite. On désigne par A l'événement obtenu en nombre pair au premier lancé et par B l'événement obtenu en nombre pair au deuxième lancé. La question, est-ce que les événements A et B sont-ils indépendants? La question qu'on pourrait se poser pour pouvoir répondre à cette question, c'est que est-ce que le fait d'avoir un nombre pair au premier lancé augmente ou diminue nos chances d'avoir un nombre pair au deuxième lancé? Non. Donc on voit que l'événement A n'influe pas la probabilité de l'événement B. Donc dans ce cas, les deux événements A et B sont indépendants. Et donc on a P de B sachant A est égal à P de B. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair au deuxième lancer, le dé étant équilibré, ça nous donne donc 3 chances sur 6, ce qui donne donc un demi.